là ce soir, fin d'après-midi. On est très très content de recevoir Gauze pour le premier prix des libraires Gilbert Joseph, attribué à Debout Payé de Gauze, un livre qu'on a vraiment tous adoré sur la chaîne, d'autant plus qu'il est arrivé évidemment au bout d'un deuxième tour à une large majorité. Pour commencer, je voulais faire des remerciements. Je voudrais d'abord remercier Gauze, évidemment, d'être présent avec nous pour son superbe roman, La Fraîcheur, un roman qui nous a fait rire, qui nous a fait réfléchir aussi. Et on n'a vraiment rien lu de semblable et c'est très, très dynamique. C'est un très, très grand roman. Je voulais remercier également Benoît, je sais pas moi, du Nouvel Attila, pour le travail, et puis toute son équipe, évidemment, pour le travail admirable qu'ils font pour tous leurs auteurs et les livres qu'ils publient. On est vraiment fans de cet éditeur. Donc on est ravis aussi que Gauze travaille avec le Nouvel Attila. Ça correspond à merveille. Bon. Je vous dis encore une fois merci. Merci de votre courage aussi, parce que ce n'est pas évident. Ça n'a pas été évident pour moi-même en tant qu'auteur de décider de choisir un style aussi particulier, une forme, enfin le style, je ne sais pas, mais en tout cas au moins la forme romanesque, c'était un vrai choix. C'est un choix que j'ai mûri, j'ai hésité, hein. J'aurais pu raconter tout d'un bloc, comme dans la littérature classique, commencer par un début et finir par une fin, faire deux, trois pirouettes et dire que je sais bien écrire, tout ça. Non, j'ai vraiment pris le choix de faire un truc, quelque chose de différent, au nom de mes saints patrons, Kuruma et Céline, au nom de l'éducation que mon crypto-communiste de père m'a donnée, au nom de tout ça, en tout cas, je vous dis merci, quoi, au nom de l'originalité. Vous avez eu le même courage quasiment que moi au moment d'écrire le bouquin. Vous avez eu le même courage de couronner un texte qui n'est pas a priori pas évident, on va dire. Auteur négro, premier roman, éditeur inconnu, et c'est vraiment, ça donne de la foi, ça fait croire en l'universalité du mot, en la beauté du style et tout ça. Voilà, merci beaucoup. Qu'on a reçu dans l'histoire d'Attila ont toujours été des prix de libraires, à savoir le prix initial pour Ramon Sender, Requiem pour un paysan espagnol, et le prix Wegler pour les jardins statuaires de Jacques Abailly. Et ça, c'est un petit reflet quand même de notre ancrage de terrain extrêmement concret et intense auprès des libraires. Disons que depuis la naissance de la revue Nouvel Attila en 2004, puis de la maison d'édition en 2007, j'ai toujours marqué un peu le territoire. Pas comme un général d'armée, mais presque. C'est-à-dire que j'adore faire le tour de France pour savoir où les livres de la maison se retrouvent, comment quelqu'un se les approprie dans un territoire différent, dans une région différente. Et c'est vrai que je passe une partie non négligeable de mon temps à aller à la rencontre de libraires. Et du coup, pour moi, il y a une vraie continuité et une vraie fierté à recevoir ce prix de la part de Gilbert. C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui n'a absolument rien à voir avec une quelconque opération, je dirais, marketing, comme d'autres enseignes le font, ou une opération commerciale, je dirais, avec l'éditeur. C'est quelque chose qui est venu, je dirais, comme du désir des libraires de se faire plaisir, et de faire plaisir à leur clientèle de lecteurs. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien fait et hyper intéressant, donc je suis vraiment contente et fière que le premier prix de Gilbert Joseph soit pour Gauze, pour cet ancien vigile, parce que c'est pareil, c'est une profession qui n'est pas forcément mise en avant, on a beaucoup de préjugés, et voilà, et je suis très très fière que Gauze ait eu ce premier prix Gilbert. En fait, on est tous
hyper content de voir déjà qu'on peut remettre un prix à Gilbert Joseph, essayer de faire bouger un peu la librairie, l'image de la librairie, voir qu'on peut faire évoluer les choses, voir que ça arrive en plus jusqu'au bout, qu'on peut le faire là tout de suite maintenant, que ça peut prendre place. De voir que c'est qu'en plus c'est Gauze, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un auteur qu'on avait commencé à voir déjà arriver, même au moment des parutions, on l'avait déjà fait venir à la librairie du 6e, qu'on avait même poussé pour le prix, pour le mettre dans la sélection, pour le faire tourner le plus possible pour tous les magasins, pour tous les gibers de France, un peu partout autour, de voir qu'ils ont, après ils ont fait leur choix, de voir qu'ils ont pu le lire aussi, de voir que ça arrive, que ça se concrétise, que ça se fait, de voir qu'en plus c'est le premier du palmarès, c'est quand même, ouais, c'est hyper classe de voir ça quand même.